Vous buvez quoi? Du bourbon? Écoutez, Madame Robinson, je vous ai déposé à votre porte. Ça m'a été agréable, mais j'ai pas mal de choses en tête. Est-ce que vous comprenez? Oui. Très bien, alors. Qu'est-ce que je vous sers? Benjamin, ne m'en veuillez pas d'être comme ça, mais j'ai horreur de me retrouver toute seule dans cette maison. Pourquoi? Veuillez attendre le retour de mon époux. Quand doit-il rentrer? Je ne sais pas. Buvez. Avez-vous toujours eu peur de vous retrouver toute seule? Oui. Fermez les portes à clé et allez vous coucher. Je suis une névrosée. Puis-je vous poser une question? Que pensez-vous de moi? Que voulez-vous dire? Vous me connaissez depuis presque toujours. Vous devez vous être fait une opinion sur moi. Eh bien, je vous ai toujours trouvé des plus sympathiques. Saviez-vous que j'étais alcoolique? Quoi? Saviez-vous cela? Écoutez, je crois qu'il faut que je m'en aille. Asseyez-vous, Benjamin. Madame Robinson. Si vous ne m'en voulez pas de le dire, cette conversation devient un peu étrange. Alors, je pense que Monsieur Robinson va rentrer d'une minute à l'autre. Non. Mon mari va sûrement rentrer très tard. Il est parti pour plusieurs heures. Oh mon Dieu. Pardon? Oh non, Madame Robinson. Non, non. Mais qu'y a-t-il? Madame Robinson, je veux dire, vous ne comptez pas. Vous ne pensiez vraiment pas que je ferais une chose comme ça. Comme quoi? Comme ce que vous pensez. Je n'en sais rien. Pour l'amour de Dieu, Madame Robinson, réfléchissez enfin. Vous me faites rentrer chez vous. Vous me faites boire. Vous mettez de la musique, et maintenant, vous me racontez votre vie privée et vous me dites que votre mari ne va pas rentrer avant des heures. Alors? Madame Robinson, vous essayez de me séduire. C'est ça? Eh bien non. Je n'y pensais guère. J'en suis un peu plus flattée. Madame, excusez-vous pour ce que je viens de dire. Ça n'a pas d'importance. Oh, si, ça en est une. C'est la pire chose que j'ai jamais dite. Asseyez-vous. Pardonnez-moi. Vous m'êtes si sympathique. J'ai une très grande opinion de vous, mais... Ça ne fait rien. Finissez votre verre. Malade de vous avoir dit cela. Eh bien, n'en parlons plus et terminez votre verre.